Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous propose de découvrir ensemble les 10 nouveautés principales d'iOS 9. Donc iOS 9 qui ressemble quand même beaucoup à iOS 8, il y a surtout des améliorations de stabilité et des correctifs qui ont été apportés, mais on a quand même des nouveautés plutôt intéressantes donc on va voir ça. Par exemple, Passbook a disparu, remplacé par l'application Portefeuille qui va désormais contenir ce qu'il y avait dans Passbook en plus des fonctionnalités d'Apple Pay. Première grosse nouveauté, ça concerne le multitâche. Regardez comment il se présente maintenant sous iOS 9. Donc, avec iOS 7, on avait eu une nouvelle interface qui avait été conservée dans iOS 8. Mais sous iOS 9, deux ans plus tard, ça change encore même si le système reste sensiblement le même. On fait toujours défiler nos applications horizontalement et on tape sur les petits aperçus pour passer d'une application à une autre, comme ceci. Et pour supprimer les applications du multitâche, on glisse un coup vers le haut. Donc, ça, ça change pas, hein. vous garderez les mêmes habitudes dans ce nouveau multitâche d'iOS 9. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et ensuite, seconde nouveauté d'iOS 9, Apple a introduit un mode d'économie d'énergie. Donc rendez-vous dans les réglages, descendez un petit peu et ici vous avez une nouvelle section intitulée Batterie. Si vous vous rendez ici, tout en haut vous avez la possibilité d'activer ce mode d'économie d'énergie ici. Une fois activé, la batterie devient jaune et à ce moment-là vous avez des fonctionnalités en moins. Par exemple les fonds d'écran ne seront plus dynamiques, vous n'aurez plus certaines animations dans les menus d'iOS ou encore l'actualisation des applications en arrière-plan. Tout ça pour économiser de la batterie au maximum et vous faire gagner jusqu'à 3 heures d'autonomie, indique Apple. Soit vous l'activez manuellement, soit ça vous est automatiquement proposé comme ceci lorsque vous descendez en dessous des 20% de batterie. Donc là, votre iPhone vous propose d'activer ce mode pour vous aider à préserver au maximum votre batterie. Donc jusqu'à 3 heures en plus, je vous ai dit. L'une des plus grosses nouveautés d'iOS 9, ça concerne l'application Note, totalement repensée. Vous avez par exemple ce nouveau bouton ici qui vous affiche ce menu, là, juste au-dessus du clavier, et qui va vous proposer de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, lorsque vous aurez tapé du texte sur plusieurs lignes, comme je l'ai fait ici, eh bien vous allez pouvoir utiliser ce bouton ici pour formater différemment votre texte. Vous voyez que vous avez plusieurs options titres, corps de texte, ou encore mettre des points, des tirets pour vraiment présenter votre texte de la meilleure façon possible. Regardez ce que ça peut donner. C'est quelque chose de super pratique et juste à côté on a le bouton appareil photo qui lui va vous permettre d'insérer facilement une photo dans votre application note. Donc soit vous en prenez une, soit vous allez en chercher une existante, par exemple celle-ci. Et ensuite, voilà, la photo est affichée dans votre note. Vous pouvez ensuite continuer d'écrire en dessous de votre photo et ça va nous donner l'occasion de voir une autre fonction. Regardez ce que vous pouvez ajouter. Ça, c'est super pratique si vous faites une liste des choses que vous avez à faire ou encore une liste de vos courses. Vous pouvez ajouter ces boutons devant votre texte et ensuite cocher lorsque vous aurez réalisé certaines actions. Vous avez entré ici dans vos notes. Par exemple, hop, je coche le sucre. Je peux aussi cocher le pain, cocher le chocolat, décocher ensuite. C'est vraiment très bien fait. Et je vous le répète, c'est super pratique si vous faites une liste de courses, par exemple. Ensuite, avec ce raccourci ici, vous allez pouvoir dessiner dans votre application Note. Vous voyez que sur le bas, vous avez différents stylos qui correspondent à la grosseur de trait. Donc sélectionnez votre stylo, sélectionnez ensuite la couleur du dessin que vous voulez faire, par exemple du bleu. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à dessiner avec le doigt dans l'application Note. Ce sera ensuite intégré, vous voyez que vous pouvez même changer de couleur. Et si ça ne vous plaît pas, vous sélectionnez la gomme ici à droite des pinceaux et ensuite vous effacez tout ce que vous avez écrit. C'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, c'est maintenant nativement intégré à l'application Notes, et ça peut être franchement pratique. Vous ajoutez vos petits dessins comme ça dans les notes. En glissant avec deux doigts sur le haut du clavier et ensuite en déplaçant mes doigts sur le clavier, vous voyez que j'ai la possibilité de bouger mon curseur. C'est vraiment super pratique cette fonctionnalité. Avant on était obligé d'utiliser la loupe, franchement pas pratique. Là c'est beaucoup plus simple et si vous double tapez avec deux doigts et qu'ensuite vous glissez sur le clavier, cette fois-ci vous avez la possibilité de faire une sélection de texte. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment très pratique pour l'édition de texte. Et sur iPad, lorsque vous êtes en mode paysage, vous aurez une nouvelle ligne ici sur le dessus qui vous proposera des fonctions de copier-coller. Ça aussi, c'est quelque chose qui manquait et qui va être bien pratique. Comme chaque année, et iOS 9 ne déroge pas à la règle, Siri a encore été bien amélioré. Chaque année, il est de plus en plus intelligent, de plus en plus réactif et de plus en plus précis. Cette fois, il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées que vous pouvez découvrir ici lorsque vous affichez tout ce que Siri est capable de faire. D'ailleurs, Siri change un petit peu d'aspect, il reprend le design de l'Apple Watch et comme je vous le disais, il est vraiment plus intelligent. Là par exemple, regardez, je me retrouve dans un mail où j'ai un rendez-vous de prévu. Eh bien, je vais pouvoir demander à Siri de me programmer ça intelligemment, vous allez voir. Rappelle-moi ça demain à 9h. Voilà ce que ça donne, vous voyez que Siri me propose la création d'un rappel qui inclura mon mail, donc c'est vraiment très bien fait, je vous le répète. Vous pouvez aussi par exemple lui demander d'aller chercher dans vos photos, ça peut être pratique. Montre-moi mes photos de décembre 2014. Hop, Siri recherche. Et voilà, il m'ouvre mon application photo directement dans les photos qui sont datées de décembre 2014, comme je lui ai demandé. Donc voilà, dans iOS 9, Siri est bien amélioré, bien plus complet. Autre grosse grosse nouveauté d'iOS 9 et uniquement réservée à l'iPad, le multi-fenêtrage et un multitâche intelligent. Regardez, vous pouvez glisser sur la droite pour faire défiler vos applications et sélectionner celles que vous allez afficher à côté de l'autre. Par exemple, là les messages sont à côté affichés de YouTube. On peut choisir la taille que va occuper chaque application sur l'écran en redimensionnant comme ceci. Ça fonctionne en mode paysage mais aussi en mode portrait si vous retournez votre iPad. Les deux applications s'adaptent. Ensuite, autre fonctionnalité bien pratique, vous aurez un vrai multitâche. Par exemple, là, si vous êtes en train de regarder une vidéo, vous allez pouvoir la placer dans un coin, avoir les contrôles dessus tout pendant que vous faites autre chose sur votre iPad. Ça, c'est juste super pratique. Avec iOS 9, Apple continue d'améliorer son application plan, principalement dans les grandes villes. Si je tape ici sur le haut, voilà ce qui m'est maintenant proposé pour ma ville. J'ai différentes propositions qui se trouvent ici à la manière de TripAdvisor. Je peux par exemple avoir des suggestions de divertissement dans la ville dans laquelle je me trouve, avec les adresses, les avis. Donc c'est bien pratique. Et dans certaines villes, surtout aux États-Unis, vous aurez la possibilité d'afficher les transports en commun. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être super pratique, super utile, mais malheureusement on ne l'a pas encore en France. Ça arrivera sans doute un petit peu plus tard dans l'année. Autre nouvelle fonctionnalité d'iOS 9, iCloud Drive est bien plus accessible. Ici il faut qu'il soit activé bien évidemment et ensuite vous avez la possibilité d'afficher l'application sur votre iPhone, votre iPod touch ou votre iPad, la voici ici. Ensuite, en ouvrant l'application, voilà ce que vous avez, vous y retrouvez tous les documents que vous aurez stockés sur le drive d'Apple, ils sont facilement accessibles sur votre appareil, un petit peu à la manière de Dropbox, c'est le même principe. iOS 9 change de police, c'est désormais San Francisco qui est utilisé, je trouve ça juste un petit peu dommage que ce soit des minuscules sur le clavier au lieu des majuscules. Pour finir, la recherche Spotlight elle aussi a été améliorée sous iOS 9. Elle est maintenant accessible sur la gauche et voilà ce qui vous est proposé. On a maintenant des suggestions pour nos contacts et pour des applications. Donc je ne sais pas trop comment c'est déterminé, mais en tout cas, si vous tapotez sur un contact, vous pouvez afficher plus d'infos, plus de fonctionnalités comme par exemple l'envoi rapide de SMS ou le coup de fil. Pour finir, si vous descendez un petit peu, vous avez des suggestions d'articles liés à l'actualité que vous pouvez retrouver ici. Vous avez un petit aperçu et si vous cliquez sur l'article, vous avez plus d'informations. Donc voilà tout ce qu'on a dans ce spotlight, accessible maintenant en glissant vers la gauche. Donc voilà pour ces nouveautés principales d'iOS 9 sur iPhone, iPod touch et iPad. Bien entendu, ce ne sont pas les seules, ce sont simplement les plus importantes. Je vous ferai peut-être une autre vidéo qui vous montre d'autres petites nouveautés un petit peu cachées. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut